أشرف صباح اليوم الخميس السيد أرماند باروكو سفير إيطاليا بالمغرب والوفد المرافق له على تدشين وحدة صناعية مغربية إيطالية مختصة في تعليب وتصدير الأسماك بمدينة أكادير. وقال السيد السفير أن مثل هذه الشركات تعطي فرص تشغيل عدد كبير من اليد العاملة المغربية. Et ça, c'est aussi un autre établissement italien, et c'est un grand investissement aussi avec des produits de très haute technologie et qui donnent du travail à plus d'une centaine de personnes ici à Agadir. Et c'est un établissement ancien, c'est un investissement qui date depuis de 25 ans, et c'est une réalité de la coopération italo-marocaine dans le secteur de la pêche, du traitement du poisson, qui est devenu maintenant une grande réalité internationale. ومن جانبه عبر السيد براماتور سالفاتور مدير شركة نوفا أوندامار عن سعادته بزيارة السيد السفير وعن ارتياحه للاستثمار بالمغرب لما يزخر به من إمكانيات وفرص. Aujourd'hui nous ouvre cet établissement qu'il y a en Inksond 2019 et c'est pour ça cette inauguration. Et nous sommes très contents qu'il y ait ici les autorités Maroc, italienne, et nous espérons d'y continuer autre 25 ans ici. وفي سؤال حول جودة المنتوجات السمكية المغربية وقدرتها على المنافسة قال Mais sur les céphalopodes, je pense que c'est les meilleurs du monde. Ça, c'est absolu, ça c'est connu. Et c'est ça que nous travaillons. Nous cherchons de valoriser le plus possible ce produit qui est déjà le meilleur qui existe. J'espère que nous sommes capables. وكان السفير الإيطالي قد زار وحدة صناعية مغربية إيطالية بمنطقة أنزا شمال أكادير تشغل أزيد من 300 عامل أغلبهم نساء التي عبر مديرها السيد ألبرتو فيركيوني عن سعادته بزيارة السفير. Donc je suis italien et je suis le gérant de la fabrique marocaine de conserve alimentaire, donc une société qu'on a pratiquement qui l'a ouvert mon papa et tout. Et aujourd'hui on a eu le plaisir d'avoir la visite de la comment s'appelle de notre ambassadeur. Et de notre consul italien, avec toute une délégation marocaine aussi qui nous accompagnait et tout. Et voilà, on est très content de ça. Donc, on a montré, nous, grosso modo, on travaille avec grosso modo 300 personnes. Ça, c'est plus que 30 ans qu'on est vivant, donc qu'on fait ce type de travail. Et on est content aujourd'hui d'avoir eu cette belle visite. وفي نفس اليوم قام السيد السفير مرفوقا بالسيد رئيس الجهة كريم أشنجلي بزيارة لولي جهة سوس ماسا لتدارس وتعزيز وتعميق العلاقة الاقتصادية المغربية الإيطالية وتشجيع الاستثمارات الإيطالية بالمغرب.